De votre parcours d'études était la clé pour atteindre vos objectifs professionnels. Shalom à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de votre émission Perspective Jeune, une émission de débat, d'échange, de discussion entre jeunes chrétiens. Nous parlerons dans cette émission aujourd'hui du choix, des éléments à prendre en compte pour sélectionner la filière la plus adaptée à vos aspirations. Restez donc avec nous, chers téléspectateurs, pour tout savoir sur les cursus qui peuvent faire, bien sûr, la différence pour votre avenir. Nos invités du jour sont la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Avenou et de Sagbado. Bonjour à tous. Alors, je m'installe confortablement. Alors, rebonjour encore une fois. Je pense que nous allons entamer l'émission et je vais donner l'opportunité à tout un chacun de se présenter. Je vais débuter avec ma droite. Vous vous présentez rapidement ce que vous faites et la tâche que vous exercez au sein de vos différentes églises. Ok, mon nom c'est Kokou Yao. Ouais. Je suis économiste de formation et membre de ADAV, nous, moniteur, interprète et conseiller au sein de notre jeunesse. D'accord. Moi, je réponds au nom de Siam Kogbetien. Je suis économiste de formation. Je suis moniteur à ADAV, nous, aussi membre de la jeunesse. D'accord. Bonjour, je suis Marius Nikabou Nabin, étudiant en master de technologie eau et environnement à l'Esteba. Je suis membre de l'église AD, Fagbado Temple Rocher. Merci. Je suis Tanang Nisoham Tam Benedicta, étudiante en médecine et membre des AD, Temple Rocher, Sagbado. Merci. Merci. Bonjour, moi je me nomme Jean-Claude Lotti, je suis enseignant de profession et à l'église je suis moniteur et secrétaire de la jeunesse. Merci. Oui. Bonjour, je réponds au nom de mademoiselle Tonio Esther, membre de Sagbado, assistante administrative et budgétaire. Merci. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Mesmin, je suis contrôleur de gestion, membre de l'équipe média de AD Avenon. Bonjour, je réponds au nom de mademoiselle Béli Patricia, je suis chantre de l'Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, Sagbado. Je suis étudiante en troisième année marketing. Merci. Bonjour madame, je réponds au nom de Sœur Mathias. Je suis physicien de formation, je suis moniteur à l'église ZAD de Sagbado. Merci. Merci à vous aussi. Alors nous continuons rapidement la présentation. Oui, je réponds au nom de monsieur Aigli. Bienvenue. Je suis assistant d'administration dans la faculté de théologie de l'ESTAO. D'accord. Bonjour, je réponds au nom de Zodanou Yaobruno. Je suis assistant comptable de formation et choriste à l'église AD Avenou. Merci. Bonjour, je réponds au nom de Siméko Miraga Gracia, étudiante en troisième année d'économie de développement. Et en même temps, je me forme aussi en décoration des événementiels. D'accord. J'accueille à l'église de Addis Sagbado. Merci. Bonjour à tous, je réponds au nom de Djakouti Dorcas. Je suis étudiante en troisième année de droit et je fais partie de la partie technique à AD Avenou. D'accord. Bonjour à tous, je réponds au nom de Agbagba Meyo. Je suis étudiante en troisième année de licence à SJS en informatique. D'accord. Dans la spécialité et génie logiciel. Je fais partie de l'équipe média à AD Avenou. Merci. D'accord. Shalom à tous. Shalom. Je réponds au nom de Sou Esso Azam Dorcas. Je suis membre de l'église AD Avenou. Je suis en master 1 de pharmacie et je suis dans le groupe musical. D'accord. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Apeti Monde. Je suis étudiant à l'université de Lomé, deuxième année de thèse en histoire. Je suis membre des églises des AD Sagbado. Je suis interprète et moniteur. Je suis aussi secrétaire adjoint de la JAD. Merci.
Merci, à vous aussi. Bonjour. Bonjour. Je suis Marthe Essilévi, juriste. Et de profession, je suis gestionnaire de projet, membre du Conseil consultatif national des jeunes et délégué au sein d'Amnesty International. Je suis membre des ADE Saguadon. D'accord. Bonjour Elodie. Bonjour. Je suis Djala Ali, étudiant en master 1, droit privé fondamental à l'université de Lobé. Je suis moniteur au temps Mont-Carmel avec vous. D'accord. Alors, je pense que je vais donner la parole au frère Miché. Bonjour. Bonjour Elodie. Moi, c'est le frère Miché, secrétaire général Bajad. Avec nous, informaticien de formation spécialisé dans la vente des ordinateurs. Je suis aussi animateur des événements et surtout heureux. Merci. D'accord. Merci à vous. Alors, pour nos fidèles téléspectateurs qui viennent, bien sûr, de prendre le train en marche, nous parlerons aujourd'hui du choix des éléments à prendre en compte pour sélectionner la filière la plus adaptée à vos aspirations en tant que jeune. Alors, nous allons démarrer avec des questions, chers invités, sur vos intérêts et vos passions. La plupart ici sont des étudiants. Alors, dites-moi, quelles sont vos unités d'enseignement que vous préférez ? Ou pour les personnes qui travaillent déjà, quelles ont été les unités d'enseignement que vous, auxquelles vous attachez une importance assez particulière? Qui veut ouvrir le débat? Merci Elodie pour la question. En fait, comme tu l'avais déjà dit dans la présentation, je suis en droit, privé fondamental. Vous êtes juriste alors? Voilà, je suis juriste. Et les unités d'enseignement, il y a plusieurs unités d'enseignement. Tout à fait. Et les unités qui, dans lesquelles j'ai plus d'intérêt, par exemple, le droit des obligations, le droit pénal également. Bon, ces matières m'inspirent beaucoup. Le droit d'obligation, le droit pénal, est-ce que vous pouvez me donner un bref aperçu rapidement? C'est quoi concrètement? Le droit des obligations est structuré en deux parties. D'accord. On a le droit des contrats, on a le droit de la responsabilité civile. D'accord. Le droit des contrats, chaque jour nous passons notre vie à contracter. Etc. Tout à fait. Voilà. Et ces contrats nous obligent, si je prends un engagement, d'accord, je suis obligé de l'honorer. De les respecter. Et maintenant, la responsabilité civile, c'est que bon, ce sont souvent les faits juridiques. Par exemple, je me suis levé ce matin avec ma moto, je sors et puis je percute quelqu'un. D'accord. C'est un fait juridique, je ne l'avais pas prévu. C'est involontaire, en quelque sorte. D'accord. Donc, mais c'est une source d'obligation également, parce que je dois réparer le dommage que j'ai causé. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'une autre personne dans la foule voudrait prendre la parole? Quelles sont vos unités d'enseignement ou quelles ont été vos unités d'enseignement de prédilection? Est-ce que vous avez un attachement particulier pour une UE? Parce que généralement, nous savons que nous ne sommes pas forts dans toutes les matières. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Comme je l'avais dit, je suis développeur d'applications, donc mes matières préférées, ce sont les matières pour le développement. D'accord. Par exemple, les matières pour pouvoir concevoir une application, quoi. D'accord. Donc, je préfère... Ça demande beaucoup de réflexion, ça, je suppose. Donc, je me consacre plus sur les langages de programmation, les frameworks, par exemple Java et PHP avec son framework Laravel. Et Python et d'accord. Django, et aussi les matières sur le réseau et tout ça. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne ou on poursuit? Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? Ok, merci beaucoup. Moi, comme je l'avais dit aussi, je suis enseignant de... D'accord. D'accord. Sciences de la vie et de la terre. Tant animé par ce désir de connaître l'être humain, ce qui le compose biologiquement, physiologiquement, l'anatomie. Donc j'aime trop ces matières-là, tout ce qui parle de la biologie, du fonctionnement de l'être humain, de son organisme. Donc j'aimais beaucoup la biologie et la physiologie. D'accord. Une autre intervention? Une autre intervention rapidement? Oui, vous pouvez y aller. Elodie Samira. Ok, merci beaucoup. Et dans ma présentation, je vous disais que je suis économiste de formation. D'accord. Il y a une autre passion que moi j'ai développée, c'est
l'intérêt pour l'histoire, en fait. L'histoire. Et on nous a dit que si on veut bien préparer le futur, il faudrait connaître le passé. Donc, à force de vouloir chercher à connaître le passé, ça me prépare en ce sens où je suis bien à l'aise ou à faire face aux défis qui sont devant moi. Donc, du coup, j'ai développé un peu cette passion-là pour l'histoire. L'histoire en général, que ce soit l'histoire de notre passé pour le Togo, pour l'Afrique. L'Afrique. Et donc, l'histoire en général, à l'école, c'était vraiment aussi une passion aussi pour moi. D'accord. Beaucoup. Une autre intervention derrière, s'il vous plaît, nous allons... D'accord. OK, moi, mes unités auxquelles je m'étais attaché, c'était les langues, parce que mon désir, mon aspiration était de devenir un polyglotte, en fait. Quelqu'un qui parle plusieurs langues. Plusieurs langues à la fois. Et j'ai dirigé ça quand même dans le domaine ecclésiastique. Du coup, je suis interprète actuellement dans mon église. Dans votre église. Et là où j'interviens aussi, je suis à l'Estao. Et je joue aussi le rôle d'interprète parce que les missionnaires là-bas sont des Américains. Mm-hmm. Donc actuellement, j'ai vu mon anglais quand même être un peu rehaussé à un niveau un peu acceptable. Exactement. Et ça fait aussi ma fierté, la fierté de toute ma famille. Mm-hmm. Et dans notre église, quand il y a des moments où les missionnaires arrivent et tout et qu'il faut interpréter en anglais, bon, je joue quand même un rôle un peu plus. Voilà, donc je peux dire que les langues sont mon aspiration. D'accord. Voilà. Une dernière intervention rapidement sur cette question. Oui, le monsieur, justement. Ok, merci beaucoup pour la question. Merci à vous aussi. Comme je l'ai dit dans la présentation et dans mes cursus, j'ai développé vraiment une aspiration pour les matières littéraires. Et aujourd'hui, je suis historien de formation et c'est ce qui m'a poussé jusqu'à aller en thèse avec l'histoire. Et j'aime tellement l'histoire. Et lorsque j'étais élève, c'est seulement les matières littéraires et surtout en histoire géo et les langues. J'ai tellement d'aspiration pour ces matières. Merci. D'accord, merci à vous. Alors oui, frère Miché, bien sûr. J'aimerais appuyer un tout petit peu l'avant-dernier intervenant. Oui. J'ai vraiment un amour pour les langues, parce que moi, j'aime pas avoir cette barrière de communication. Tout à fait. Donc, pendant mes cursus scolaires, les matières que j'aime réellement, c'était... Les matières littéraires. Les matières littéraires, bien sûr, et les langues, et surtout l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, pour voyager partout dans le monde, si vous savez manager un tout petit peu l'anglais, vous pouvez aller partout où vous voulez. C'est juste pour rachérir ce que l'avant-dernier intervenant a dit. Donc, ce qui veut dire que le frère Miché n'était pas tellement expert dans les matières scientifiques. Merci beaucoup. Les mathématiques, les physiques, la chimie et tout ce qui va merci, avec. Merci, Elodie, d'avoir pouvoir dénicher ça. Et le public arrive parce qu'on a eu à faire des discussions dans les coulisses. Tout à fait. Et pour être clair avec vous, Elodie, Miché était, je ne veux pas dire nul, mais n'était pas fort dans les matières scientifiques et n'aimait pas les matières scientifiques. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire les sujets qui vous passionnent personnellement? Il y a d'aucuns qui évoluent dans les domaines scientifiques, d'aucuns dans les domaines littéraires. Mais personnellement, quels sont les sujets qui vous passionnent? Une personne aimerait ouvrir le bal. Merci, je vais ouvrir. Parlant des sujets qui me passionnent, moi, dans ma présentation, j'avais dit que j'étais juriste. J'avais commencé le droit, mais par après, j'ai intégré les associations. D'accord. J'ai commencé par entendre parler des sujets de VBG, SSR. VBG, c'est violence basée sur le genre. SSR, d'accord, santé sexuelle reproductive. Tout à fait. Et je suis rentrée dedans, j'ai commencé par apprendre, j'ai commencé par aimer. Et aujourd'hui, j'ai fait de ça mon métier. Ce qui fait de moi aujourd'hui un expert dans ce domaine. Dans ce domaine. C'est un sujet qui me passionne tellement. Qui vous tient personnellement à cœur. Exactement. Alors, une autre intervention rapidement. Parlant des sujets qui vous tiennent à cœur. Oui, je pense qu'il y a un intervenant ici. Merci. OK, merci. Pour ce qui me passionne, moi, c'est un peu plus le développement humain. Oui. Pourquoi j'ai tendance à aller dans la gestion du projet, dans l'administration des entreprises, le leadership, tout ce qui permettra quand même du moins à l'humanité ou à l'homme personnellement de se développer, de s'épanouir. Oui. Voilà, c'est ce qui me passionne le plus. Merci. D'accord, merci. Une autre intervention rapidement. Oui. Oui, alors, comme je l'ai dit, moi, je suis contrôleur de gestion. D'accord. Disons qu'au début, je voulais être médecin.
médecin pour soigner les personnes. Mais à défaut d'être médecin, j'ai voulu être médecin, on va dire, entre griffes, pour une entreprise structurelle. D'accord. Donc, on va dire que ce qui me passionne le plus, c'est tout ce qui tourne autour de la gestion. Oui. Parce que, on ne va pas se mentir, on a les ressources, mais une ressource mal gérée n'aboutira jamais à un objectif précis. Donc, j'ai vraiment poussé un amour pour la gestion, plus un amour pour les chiffres. Ce qui fait que, bon, les deux combinés, je suis au niveau du contrôle de gestion. Donc, d'accord. Voilà. D'accord. Une autre intervention, rapidement. Parlons des sujets qui vous passionnent. Merci, Elodie. Je t'en prie. D'accord. Comme j'avais mentionné, je suis dans un domaine de sciences et technologies. D'accord. Alors, comme sujet passionnant, je dirais l'environnement. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'ampleur que prend la planète Terre actuellement sur le problème du changement climatique. Alors, je me suis lancé ce challenge de contribuer d'une manière significative pour trouver aussi des solutions pour proposer pour qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Donc, c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire dans ce parcours d'études. Merci. Alors, une autre intervention. Parlons toujours des sujets qui vous passionnent. Merci, Elodie. Je t'en prie. Comme je l'ai déjà dit, je suis assistante à la gestion administrative et budgétaire. Donc, je suis passionnée vraiment à tout ce qui parle de l'argent, aux finances, parce que j'aime vraiment l'argent. Donc, qui n'aime pas l'argent, d'ailleurs? Nous aimons tous l'argent. Hein? Donc, c'est ce qui m'a poussée vraiment à faire la gestion. Mm-hmm. Donc, je suis passionnée vraiment à tout ce qui concerne l'argent, le budget. Tout ce qui a trait à la comptabilité, trait, aux finances. Voilà. Donc, je suis vraiment passionnée aux finances. Merci. Une autre personne? D'accord. Le temps que le micro ne fasse le tour. Comme je l'ai dit aussi tantôt, je suis assistant comptable financier. J'aime aussi l'argent également. Mais je vais plus tourner du côté de l'éducation financière personnelle. Parce que c'est ce qui m'a en fait poussé à faire la comptabilité. C'est l'éducation que moi-même j'avais sur la façon de gérer l'argent, la façon de faire les comptes et tout. Donc j'aimerais, en fait, ce qui me passionne, c'est ça. C'est la gestion financière. La gestion financière. Une personne. D'accord. Merci. Une autre personne, juste devant. Ah, d'accord. Ok, merci Madame Elodie, comme je l'avais dit. Elodie Samira, Elodie tout simplement. Ok, Elodie. Oui. Comme je l'avais dit, je suis physicien de formation. D'accord. Donc, chez moi, ce qui me passionne, c'est l'efficacité énergétique. Et face à l'ampleur de réchauffement climatique, il faut faire l'efficacité énergétique, savoir comment utiliser l'électricité pour ne pas polluer trop l'environnement et causer la dégradation des couches d'ozone. Tout à fait. Merci. Merci à vous également. Merci Tata Elodie. Elodie Samira. Elodie. Oui, ce qui me passionne le plus, c'est le marketing en fait. D'accord. Tout petit, j'ai rêvé de créer mes propres entreprises, être une directrice pour une entreprise en fait. D'accord. Donc, le marketing, c'est un domaine dans lequel je suis vraiment passionnée. Tout à fait. Oui. Donc, c'est un peu ça ce que le marketing. Dit. D'accord, une autre personne, d'accord. Bon, moi, je dirais que la déclic est venue un jour à l'église où notre interprète, il y avait une missionnaire américaine, et l'interprète était vraiment dans l'incapacité de jouer vraiment son rôle, et puis ça a créé quand même un handicap au message, en fait, parce qu'on ne comprenait pas vraiment. Vraiment et c'est depuis le jour-là que vraiment j'ai eu cette flamme-là en moi, que si je pouvais être un bon interprète dans différentes langues, ça va permettre vraiment au message de Dieu d'être bien diffusé et tout. Donc, c'est de là que je me suis dit, je dois beaucoup m'attacher aux langues. Et étant donné que j'étais pas aussi trop bien en langue, dans les sciences en fait. D'accord. Donc j'ai développé un amour pour les langues et par là Dieu aidant, j'ai joué quand même mon rôle. Donc les langues, les sujets qui me tenaient à cœur, c'était l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Finalement j'ai laissé l'allemand, je me suis attaché à l'espagnol et puis à l'anglais. Et Dieu a pourvu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je peux dire que je joue mon rôle. Parce que dans mon domaine d'activité actuellement, c'est ce rôle que je joue le plus. J'aime beaucoup être cette médiation entre les gens. Ils parlent une langue et puis c'est moi qui interprète dans l'autre langue. Vous voyez, c'est un peu... Ça donne cette élégance-là. Et puis bon, tu es recherché et tout. Si tu n'es pas là, il ne peut pas communiquer. Vous voyez un peu. Donc, j'ai beaucoup d'attirance pour ces genres de choses. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y tú? Y muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nada. Alors, je pense que nous allons une dernière intervention sur cette question. Ah, je vois beaucoup de mains en l'air.
D'accord, okay. Allez-y, je vous en prie. Okay, d'accord, comme je l'avais dit au départ, oui. Je suis étudiante en économie. D'accord. Ok. J'adore l'économie, en fait. Mm-hmm. Je suis une passionnée de l'économie. Mm-hmm. En économie, mm-hmm. on nous apprend oui. la gestion aussi, la gestion des ressources humaines. Donc, comment gérer les finances. Oui. Un jour aussi, je serai à la tête, si je suis dans le gouvernement, par exemple, oui. comment je vais gérer les finances. Il ne faut pas que l'agent reste à mon niveau seul. Tout à fait. En fait, l'agent, ce n'est pas seulement pour moi. Oui. C'est pour les autres aussi. Oui. Donc, comment utiliser les fonds et tout ça. Et puis, nos yeux, ça porte aussi, disons, la mathématique. Oui. Donc, la mathématique, c'est un peu les calculs, comme tout vous voyez. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Elodie. Comme je l'avais dit dans ma présentation, je suis en médecine. Et depuis toute petite, j'ai toujours été captivée par l'humanitaire et par les soins. J'ai toujours voulu aider. Donc, comme sujet qui m'intéresse, je pourrais dire aller vers les couches vulnérables, leur apporter des soins, la santé vers les zones reculées. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Rapidement, la dernière d'ailleurs sur ce sujet. Après, vous allez avoir la parole, ne vous en faites pas. Comme je le disais tout à l'heure, je suis en pharmacie. Donc, ce qui veut dire que je suis dans le monde des médicaments et tout. Donc, j'ai toujours aimé cela et tout, que ce soit la chimie ou la biologie, parce que la pharmacie, c'est la jonction des deux. Donc, en fait, j'ai pour objectif de pouvoir faire des recherches afin de pouvoir découvrir, en fait, plus de remèdes aux différents maux qui n'en ont pas encore. Donc, c'est ce qui m'a poussée à être dans ce domaine-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci. Je pense que... voilà. Bon, moi, les sujets qui me tiennent à cœur, qui me passionnent vraiment, ce sont les sujets liés à la technologie. La technologie. Les sujets qui sont liés à l'évolution de la technologie dans le monde actuel. Mm. Les sujets qui ont trait à l'IA, à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Donc, parce que ce sont les comme je suis dans ce domaine, ce sont les sujets que j'aime vraiment et que... J'aimerais vous parler. D'accord, merci. Alors, nous venons tantôt de parler des différents sujets qui vous passionnent. Alors, dites-moi, en toute humilité, quels sont vos points faibles, selon vous? Vous avez la parole. Selon vous, quels sont vos points faibles? Bon, vous n'en avez pas? Bon. Attends, bon. Oui. Mes points faibles, c'est que... en tant qu'informaticien, il faut être au top de l'évolution de la technologie, à l'éveil de la technologie. Donc, je n'arrive pas trop à être au top de ce qui est d'actualité. D'actualité, ce qui est actuel, nouveau. Donc, et aussi, je n'arrive pas trop à transmettre ce que j'ai aux autres facilement. Vous avez une difficulté à transmettre vos connaissances aux autres. Ça. Et comment est-ce que vous travaillez pour pouvoir remédier à ces points forts-là? Oui, en suivant les cours en ligne, comment est-ce que les formateurs le font? Oui. Bon, en suivant les cours en ligne sur YouTube, sur les plateformes. Oui, en étant à la quête perpétuelle des actualités et entrer à la technologie. Oui, c'est ça. D'accord, merci. On va donner la parole à une autre personne. Quels sont vos points faibles? D'accord, moi j'ai beaucoup de points faibles. Merci pour l'humilité. Mais ce que j'aimerais surtout corriger, c'est que je ne lis pas. Un problème pour la lecture. La lecture. Voilà. Alors que mon domaine, il faut lire beaucoup. Il faut faire beaucoup de recherches pour connaître un tout petit peu le système, pour pouvoir développer de meilleures façons d'administrer, de gérer les projets. Le monde évolue aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui viennent au jour le jour. Au jour le jour, exactement. Si je peux corriger cet aspect de lecture, de lire, ça m'aiderait. Ça vous aiderait beaucoup. D'accord. Une autre intervention rapidement, oui. Je dirais qu'avec le progrès technologique, aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir comment adapter les règles juridiques et à l'évolution technologique. Tout à fait. Parce que les choses changent à tout moment. Exactement. Et il faut dire que cela me pousse quelquefois à laisser même les matières du droit et à faire des recherches sur la technologie, l'informatique, pour lire et comprendre réellement ce que c'est l'informatique. Ce que c'est la technologie, avant de pouvoir vraiment adapter les règles. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, si... un juriste aujourd'hui est dans les choses traditionnelles, il risque de l'être en retard, de devenir obsolète en quelque sorte.
Donc je me force. Je sais que c'est mon point faible. C'est mon point faible. Est-ce que vous pensez être un juriste compétent? Parce que des juristes, il y en a. Une chose est de pratiquer une activité ou d'exercer un métier. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes compétent, un juriste compétent? Oui, aujourd'hui, mm-hmm. je suis en train de faire les recherches. Oui. Je suis au Master 1 mm-hmm. et l'objectif est d'apporter quelque chose, un plus oui. à la matière. À la matière. Voilà, j'ai pris une, je me suis spécialisé. D'accord. Je vais écrire mon mémoire sur un thème donné. D'accord. Je vais voir qu'est-ce qui manque. Mm. Qu'est-ce que la loi n'a pas pris en compte. Mm. Qu'est-ce que le juge n'a pas dit. Mm. Et maintenant, c'est à moi de proposer. Donc, je pense que je suis sur le chemin. Le chemin de devenir un juriste compétent. Donc, incontrôlable. Donc, d'accord. Il faut dire que l'objectif, c'est d'atteindre le sommet. Le sommet, tout on à ne fait. Peut jamais mmh. être trop... Mmh. dire qu'on a atteint la perfection. Tout à fait. Mais toujours, en droit, il faut lire, il faut documenter, continuellement. Etc. Continuellement, mmh. il faut mmh. lire. Parce que si vous ne lisez pas, vous ne pouvez rien. Mmh. D'accord, merci. Mmh. D'accord, une autre intervention, s'il vous plaît. La tata derrière. D'accord. Alors, moi, mmh. mon, je dirais, j'ai mmh. un seul point faible. Mmh. Mon point faible, c'est mmh. la timidité. La timidité. Et mmh. alors que dans le domaine que j'essaie, mmh. il faut la confiance en soi. En soi. La confiance en soi est un atout précieux dans ce domaine. Tout à fait. Mais j'essaie de corriger cela. De vaincre. De m'affirmer. La timidité. Mmh. Voilà. D'accord. Je pense même que le simple fait d'être ici, dans les locaux de la RTJVA, est déjà un pas en avant. Donc, je vous félicite et je vous encourage dans ce sens. Alors, une autre intervention rapidement. Ayez l'humilité hein, de dire vos points faibles. On est entre nous, une discussion entre nous, jeunes. Merci, Elodie. Oui. Moi, mon point faible, oui. c'est que je ne lis pas beaucoup. Alors que pour être un bon interprète, tout il faut fait. Avoir quand même un amour pour la lecture, pour découvrir de nouveaux mots, etc. De nouvelles expressions. Donc, des fois, dans l'exercice de ma fonction, je me retrouve des fois dans différents domaines. Par exemple, dans le domaine de la construction, où on vient avec un ingénieur des États-Unis et qu'il faut interpréter maintenant ces termes techniques. Comment dire, par exemple, béton en anglais, comment dire Audi en anglais, comment dire peut-être les fers, tout ça en tout anglais. Et puis tout ça fait. Devient un peu compliqué le travail là-bas. Revenons à l'église, tu lis pas beaucoup, tu vois. On amène un pasteur et puis il dit certains mots, tu es obligé de dire d'autres choses. Ou bien des fois, voulant donner peut-être une explication qui convient avec ce qu'il dit, tu vois. Tu dénatures un peu le message de la personne et tout. Donc, d'accord. je peux dire que ma faiblesse, c'est que je ne lis pas beaucoup. Mais je m'efforce quand même de corriger cela. Et mon pasteur m'a enseigné une astuce de lire au moins 5 minutes par jour. Donc, j'ai quand même commencé. Et par la grâce de Dieu, je pense relever ce défi. Et puis, d'accord. bon, devenir fort dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup. Une autre intervention. Oui, Miché. Oui, permettez-moi d'exprimer mon point faible. Oui. C'est l'occasion quand même pour moi aussi de le faire. Oui. Moi, mon point faible, c'est bon, dans la vie éducative, c'est que c'est manque de lecture, comme les autres. Les uns et les autres l'ont souligné. C'est manque de lecture, alors que pour quelqu'un qui aime la langue, il faut quand même lire beaucoup, pour découvrir d'ailleurs. Beaucoup de choses. Mmh. D'accord. J'ai eu à faire aussi les lettres modernes au campus. Donc. Tout à fait. Mais comment quelqu'un qui a fait les lettres modernes qui n'aime pas lire? Maintenant, dans la vie active, mon point faible qui me tient le plus à cœur que je lutte, c'est que je n'arrive pas à voir la vie des gens sur mes décisions. D'accord. C'est-à-dire que je me vois capable d'avoir arrivé jusqu'au bout de mes décisions, je ne vois pas l'importance des autres concernant ce que je veux faire. Vous comprenez jusqu'à... Vous avez le frère Miché a une certaine surestimation de sa personne. Il se dit détenir la totalité du savoir. Bon, peut-être pas le cas, mais... c'est le pas. Je peux dire que c'est mon passé qui a un peu agir sur moi parce qu'on a eu à vivre un peu dans la solitude, on a eu à prendre des grandes décisions seules. Vous on êtes a eu à introverti. Voilà, on a eu à faire des choses, à faire face à des choses seules. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand nous sommes mariés, on a des difficultés à partager nos idées avec celles avec qui nous vivons. Et on se dit que non, mais j'ai pas besoin de ton. De toi, j'ai pas besoin de ton avis, que je peux y arriver seul. Et puis à la fin, on voit que ce n'est pas bon pour un homme dans la vie active. Et je lutte vraiment pour pouvoir. Exactement, d'autant plus arriver. Que le couple, c'est une complémentarité et il faut qu'il y ait cette harmonie là au sein du couple. Donc j'espère vraiment que le frère Miché va travailler là-dessus, c'est oui, important. Oui, le ciel va m'aider aussi. Amen. Alors, une autre intervention rapidement. Oui, vous avez le micro. J'ai plein de points faibles, mais ce sur quoi je voulais
plus aller, c'est par rapport à ma rigidité. Je suis assez rigide. On va dire que dans mon milieu, il faut être assez pointu et assez carré sur les bords. Ce qui fait qu'il y a certaines, on va dire, on attend certains résultats de ta part. Oui. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de, on va dire, beaucoup de secteurs, mais de services qui dépendent de toi. Donc tu donnes des directives. Et je suis assez rigide dans le cas où tout le monde me présente les circonstances atténuantes qui ont fait que ceci n'a pas pu aboutir. Mais je ne suis pas, je ne sais pas si on qualifie ça toujours de point faible, mais je ne suis pas assez conciliant par rapport à cela, pas du tout flexible. Comme je l'ai dit, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc j'essaie, hein, j'essaie de m'améliorer sur ce point, essayer de voir, d'être un peu plus empathique. Alors, vous pensez être compétent? Est-ce que vous pensez être compétent, oui. D'accord, merci. Une autre intervention? Merci. En toute franchise, ouais, comme tout le monde ici, j'ai des points faibles. Tout à mais fait. Mon point faible, le point le plus fort, c'est la ponctualité. J'ai très, très souvent des difficultés. À être à l'heure. À être à l'heure. Et bon, j'y travaille déjà dessus. D'accord. D'accord, je pense que c'est l'essentiel. Une dernière intervention sur ce sujet. Rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Elodie. Je t'en prie. Oui, comme tout le monde aussi, moi aussi j'ai des imperfections, j'ai des points faibles. Merci de le reconnaître. Et le point faible sur lequel je vais m'attarder ici aujourd'hui, c'est le manque de rigueur sur moi-même en personne. J'ai vu dans un domaine qui demande assez sur la rigueur, sur l'organisation du sommeil, le planning personnel et tout. Tout à fait. Mais moi-même, je suis une personne qui aime tout le temps ma liberté, j'aime tout le temps faire ce que je veux faire, par moment, par programme, par intermittence qui viennent. D'accord. Mais ce n'est pas forcément ça que j'ai besoin dans mon domaine. D'accord. Donc, c'est ce que j'essaie de corriger. D'accord. Pardon. Et j'espère que vous y parviendrez. Alors, une dernière intervention, rapidement. Merci, Elodie. Je t'en prie. Comme point faible, je dirais que je n'ai pas la patience et que je ne suis pas ouvert aux autres. Je m'explique. Dans mon domaine, nous sommes appelés à représenter une entité, à représenter les jeunes de nos pays. D'accord. Et avant d'exercer à bien nos activités, nous devons écouter les gens, accepter la divergence des gens, bien leur opinion, et pouvoir bien leur représenter. Alors que, par exemple, moi, mon visage également ne m'aide pas, ça ne se dessert jamais. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à être ouvert ou bien être tellement à l'aise avec moi, surtout que moi également je ne suis pas tellement ouvert envers les autres. Également la patience, je ne tolère pas beaucoup de, peut-être de défauts des comportements des personnes, mais je travaille beaucoup sur ça. Je pense que ça a beaucoup amélioré. Et permettez-moi, à l'avenir, quelle carrière vous intéresserait? Vous aimeriez devenir quoi? Déjà nous sommes déjà dans l'avenir parce que j'ai déjà commencé par avancer dans ce domaine. J'aimerais être représentant résident d'une organisation, pourquoi pas, parce que j'ai déjà côtoyé beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine. J'ai déjà commencé par travailler dans ce domaine et je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sais que c'est ce que je veux faire en fait. Parce que j'aime tellement prendre soin des gens, j'aime tellement comprendre les gens, surtout sur les questions de violence basée sur le genre, droit de la femme et tout. Je suis dans ce domaine avec Plan et Amnesty. D'accord. Donc, je sais que je veux essayer dans ce domaine. D'accord. Alors, est-ce que, dites-moi, quels sont vos... Non, je vous libère quand même du micro. Et quels sont vos objectifs professionnels à long terme, par exemple? Ok, merci Elodie. Pour dire... Comme je l'avais dit, je suis au Master 1, l'objectif de se tenir l'année prochaine, de se tenir l'année prochaine et de continuer ma thèse. Voilà. Donc, comme objectif professionnel à long terme, je dirais que l'objectif de devenir avocat. Avocat, mais... Vous visez le plan international ou... Bon, un avocat... Assez reconnu ou pas? Un avocat assez reconnu dans l'espace OADA. Voilà. Ou dans l'espace 8 mois. Oui. Mais il faut le dire. D'accord. Dans un abo. De partout. Hein. Ça, il faut le dire. Une compétence territoriale qui est définie en tant que telle. Et l'objectif également, c'est de devenir un chercheur. Tout à fait. On peut pas être enseignant chercheur, mais également être avocat. Donc, on peut combiner les deux.
Voilà. Et je me permets de vous poser encore cette question. Et selon vous, quelles sont les qualités que vous jugez assez importantes pour réussir, par exemple, dans le domaine des droits, de la juridiction, par exemple, selon vous? Quelles sont les qualités qui sont très importantes pour réussir dans ce domaine? Par exemple, pour vous qui visez être avocat de l'OADA, c'est ça, n'est-ce pas? Quelles sont les qualités que vous devez avoir ou qu'une tierce personne ou qu'un jeune doit avoir pour réussir dans ce domaine, par exemple? Pour être un bon juriste, il faut le dire, il y a certaines matières en droit qu'il faut nécessairement se cultiver dedans. Par exemple, il y a des outils de travail. Oui. Par exemple, l'introduction à l'étude de droit. Il y a également la méthodologie de droit. Oui. Et j'avais également évoqué une matière, le droit des obligations. Tout à fait. Ce sont des matières incontournables. Oui. Vous ne pouvez jamais être juriste si vous ne maîtrisez pas ces domaines-là. Oui. Donc, il y a également ce qu'on appelle la théorie générale du droit. Oui. Donc, il s'agit du droit en général. Il faut connaître comment le fonctionnement du droit. Oui. Il ne s'agit pas seulement de s'attacher au texte écrit pour dire qu'il y a tel article, il y a... Non, c'est pas ça, un juriste. Un juriste, c'est d'abord celui qui a la culture générale. Il est en mesure de théoriser et trouver des solutions là où il n'y en a pas. Donc pour devenir un bon juriste, surtout un avocat, vous devez avoir cette qualité. La qualité de trouver, de proposer une solution là où la loi n'a rien prouvé. Là où le juge n'a pas encore pris une décision, vous êtes en face de du problème, vous arrivez quand même à trouver un problème. Il faut avoir la qualification. Ouais. Qualifier une situation. Un juriste, c'est quelqu'un qui qualifie les faits. Il arrive devant une situation, il qualifie. Après la qualification, il doit catégoriser pour dire que je classe là dans telle catégorie. Après la catégorie, maintenant, il cherche quel régime juridique appliquer. Si par exemple, je qualifie un fait, je vois que c'est dans le domaine du travail, c'est dans le domaine social. Oui. Maintenant, je vais me référer maintenant aux règles applicables dans ce domaine. Donc, un juriste, c'est quelqu'un qui qualifie. Il doit avoir la qualification. Il devient un avocat, magistrat. Alors, merci Frère Miché. Je me permets de me retourner vers toi. Alors, quels sont tes objectifs professionnels à long terme? Je sais, nous savons que, tu es passionné par les langues et tout ce qui va avec, mais personnellement, quels sont tes objectifs à long terme? Personnellement, bon, quand on était sur le banc, les objectifs, j'avais que deux objectifs quand j'étais sur le banc. C'est soit devenir un corps habillé ou bien un enseignant. D'accord. Mais après, quand on est rentré dans la vie active, les choses sont devenues autrement. D'accord. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est de devenir un entrepreneur, c'est-à-dire être autonome, être à son propre compte et être spécialement un exportateur des marchandises, peu importe quel type de marchandise il soit et puis. J'aime aussi l'automobile. D'accord. Avoir beaucoup de véhicules à ma disposition. Mm-hmm. Les gens travaillent pour moi, mes véhicules sont là, tout ça. Au fait, je me vois dans le futur. Dans l'entrepreneuriat. Oui. D'accord. Et puis je me vois dans le futur m'asseoir et puis recevoir des comptes. D'accord. Vous voyez, voilà. C'est... Et selon toi, quelles sont les qualités que tu juges assez importantes pour pouvoir réussir, par exemple, dans l'entrepreneuriat? Oui, pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, les qualités que... À mon avis, c'est qu'il faut que moi-même, je sois un boxeur. Tout à fait. Oui, un travailleur. Et que je connaisse mes qualités, mes faiblesses. Tout à fait. Et les opportunités, les menaces et autres. D'analyser tout ça là-dedans. Et je compte sur ma qualité de travail. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime quand même bouger, qui aime rentrer dans beaucoup de... Assez dynamique. Voilà, assez dynamique. Et donc, je compte beaucoup sur... mon dynamisme pour pouvoir y parvenir à cet objectif-là. D'accord. Et j'y crois fermement. Merci. Alors, je retourne vers l'interprète, justement. Quels sont tes objectifs à long terme? Aujourd'hui, tu es interprète et tout ce qui va avec, mais à long terme, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Ok. À long terme, devenir un interprète assermenté. D'accord. Bon. Reconnu sur l'échiquier international. International, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai opté pour. Voilà pourquoi j'ai opté pour l'anglais. Oui. Donc, je me bats pour ça. Tout à fait. Et actuellement, je travaille, comme je l'ai dit, à l'Estao et c'est dans un domaine missionnaire. Et par ricochet, j'ai un peu aussi ce petit béguin pour
je veux dire, cette passion pour la prédication, devenir pasteur et tout ça. Mais vraiment, je n'ai pas aussi ces qualités, parce que je vois les pasteurs, je vois tout ce que ça requiert et tout, mais je me dis, bon, ok, je vais m'en tenir seulement à mon ambition de devenir, c'est d'être prêtre assermenté et tout. D'accord. Et bon, je fais de mon mieux quand même. Mais les qualités requises pour cela, selon toi, bien sûr. Selon moi, bon, selon moi, il faut une bonne locution, il faut avoir d'excellentes capacités de concentration, d'écoute, d'analyse, et puis comment faire des petites synthèses, parce que des fois, la personne peut en fait dire quelque chose en deux minutes, que tu dois vite résumer en peut-être une minute pour faciliter la communication et tout. Donc, je me bats quand même dans ce domaine. D'accord. Mais comme le frère vient de le dire, l'homme propose et Dieu dispose, et la vie aussi, des fois, vous met dans certaines situations où vous êtes obligé de changer vos ambitions et puis vos objectifs. Donc là où je suis actuellement, je suis dans beaucoup de choses, au point où je ne me retrouve pas vraiment, mais j'ai toujours quand même mon ambition, parce que là-bas, il faut être... Voilà, au fur et à mesure, tu es interprète par ici, au moment où tu es avec le directeur, au moment où tu appelles un pasteur qui veut peut-être venir à la télé ici, on m'appelle, bienvenue, tu es là, on a besoin d'un interprète à la TGVA, il faut courir pour arriver ici, voilà, au même moment, tu joues le jour de coursier, et tout ça. Donc, du coup, mais toutefois, je garde mon ambition de devenir cet interprète assermenté. Si je ne le suis pas pour le monde, je le serai quand même à l'église. Amen. Voilà, merci. Merci. Alors, je pense que j'arrive. Nous avons parlé d'entrepreneuriat, nous avons parlé de la juridiction. Maintenant, je pense que nous allons nous intéresser aux sciences. Alors, je donne la parole au monsieur juste derrière. L'enseignant, non, la personne qui fait des études en anatomie, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Alors, selon vous, quels sont vos objectifs à long terme dans ce domaine-là que vous avez choisi? Dans le domaine de l'enseignement. Malheureusement, aujourd'hui, vous êtes enseignant Je suis enseignant en SVT, c'est oui, en SVT. D'accord. Et comme matière sous-dominante en physique. D'accord. Mais j'avais dit, j'allais un peu vous décevoir parce que dans 10 ans, dans 15 ans, je ne me vois plus tellement dans le domaine, investi dans le domaine, parce que parallèlement à ça, il y a de cela quelques années, j'ai eu cette envie d'entreprendre. D'accord. Voilà, l'entrepreneuriat revient. Parce que aujourd'hui, bosser sous quelqu'un où on dit travailler sous pression, la personne te dicte ses lois et conditions, alors que parallèlement à ça, tu as ta petite vie, tu as ta vie religieuse, tes passions auxquelles tu dois souvenir. Donc voilà pourquoi j'ai cette envie, il y a cela quelques années, de me lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé. D'accord. Mais au début, c'est difficile. Maintenant, sur ce que mon grand frère avait dit, comme qualité, il ne faut pas se résilier. Voilà, la persévérance. Parce que le début de toute chose est vraiment très difficile, très compliqué. Donc, il faut avoir comme qualité le fait de ne pas se résilier, le fait d'être déterminé, le fait d'être très rigoureux. Voilà, comme en entrepreneuriat. Mais je ne veux pas aussi le domaine de l'enseignement, parce que c'est une passion pour moi, en fait. C'est une passion pour moi, en fait, le fait de transmettre la connaissance, les savoirs, être en contact avec les élèves, où là, tu es à la fois leurs parents, leurs grands frères, des fois même leurs petits frères, leurs amis. Tu te trouves dans plusieurs pots à la fois. Voilà, je ne vais pas oublier aussi cet aspect. Et comme qualité là-bas, il faut être rigoureux, voilà, bosseur, être à la page des actualités. Sinon, aujourd'hui, il y a certains enfants qui sont très clairs. Et si tu ne sais pas, ils vont te berner. Voilà pourquoi, en tant qu'enseignant aussi, tu dois te cultiver le jour pour être aussi à la page. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup. Très belle intervention. Une autre personne, rapidement. Oui, d'accord, allez-y. Merci, Elodie. Je t'en prie. Alors, comme objectif lointain, je vise quand même, après mon master, poursuivre et soutenir ma thèse en environnement et eau. Alors, je suis quelqu'un qui vise loin, qui vise haut. Et comme au Père Louis Fred disait, crée la vision la plus haute et la plus grande, car vous devenez ce en quoi vous croyez. Moi, je crois travailler aux côtés des grandes organisations, par exemple l'ONU, ou tout simplement travailler comme un ingénieur en eau, d'accord, ou bien en épuration de l'eau. Donc, Et selon toi, je te reviens, et selon toi, quelles sont les qualités que toi, personnellement, par exemple, tu dois mettre en place pour pouvoir parvenir à ce niveau, par exemple? Merci bien.
pour parvenir à ce niveau, oui. je dois d'abord doubler d'efforts. Oui. Certes, je travaille, mais je dois quand même mettre du paquet pour pouvoir relever ce défi que je me suis lancé. D'accord. Une autre intervention, rapidement. D'accord. Merci, Elodie. Oui. Comme objectif dans la vie, je suis... Comme objectif dans la vie, je veux être une directrice pendant, dans 10 ans, dans 15 ans, devenir une directrice agréée. Alors, je suis passionnée à travailler en équipe avec mes collaborateurs. Donc, je suis passionnée à devenir une directrice un jour. Voilà. Et selon vous, quelles sont les qualités que vous devez développer ou si éventuellement une autre personne a la même passion que vous, devenir directrice, qu'est-ce que cette personne doit faire ou quelles sont les qualités à promouvoir? Bon, je peux dire, parlant des qualités, en tant que directrice, future directrice d'ailleurs. Amen. J'ai déjà même en tête le nom de ma mon entreprise. Bon, très je pousse la curiosité de ne pas la... On sent de la détermination. Voilà. Donc, en tant que... Bon, les qualités qu'il faut. Oui. Voilà, les qualités requises, je pense qu'il faut la rigueur. Tout à fait. Parce que quand tu n'es pas rigoureuse, tu ne peux pas quand même... travailler en équipe, tu ne peux pas quand même diriger les gens. Donc, il faut la rigueur, il faut beaucoup bosser, il faut travailler, il faut être à la hauteur des informations au jour le jour. Merci. D'accord. Une autre intervention. Je prends le monsieur derrière et après, on revient dans cette rangée. Alors, vous voulez vous exprimer? Bon, allez-y. Après, on remet le micro derrière. Merci. Comme mon ambition vient dans l'avenir, j'aimerais travailler avec l'OMS et également travailler dans des plans nationaux comme des plans internationaux, des plans mondiaux de lutte contre les maladies, les pandémies, les épidémies. Merci. D'accord. Et selon vous, quelles sont les qualités, les qualités, déjà pour le domaine sanitaire, il faut être une personne assez rigoureuse, mais bien avant ça, il faut être discipliné. La discipline, elle est très, très importante. Discipline plus, et puis la rigueur, et puis l'ardeur au travail. Mais il faut aussi également être une personne bienveillante et accueillante. Parce que quand les personnes, les patients, les sinistrés viendront vers vous, il faut que vous soyez assez accueillant pour qu'ils puissent s'ouvrir et vous dire les vérités sur ce dont ils souffrent. D'accord. Merci. Merci. Une autre personne derrière, rapidement. Parlons de vos objectifs à long terme. Ok. Oui. Mes objectifs à long terme, c'est devenir un ingénieur en efficacité énergétique et économie. D'accord. Donc, pourquoi? Aujourd'hui, on voit, on construit les grands bâtiments chaque fois, or qu'il y a le réchauffement climatique. Donc, il faut inciter les gens à construire avec des matières fines qui ne coûtent pas beaucoup, ne font pas dégager plus d'énergie. Par exemple, présentement, on est en train d'utiliser le courant, on est en train d'utiliser les climats, tout ça là, à la production, ça crée quoi? Des gaz à effet de serre qui détruisent les couches d'environnement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour construire nos maisons? Il ne faut pas utiliser trop des murs, il faut plus de fenêtres puisqu'il y a l'aération. Donc il faut chercher quoi? Des matériaux qui vont nous permettre pour que l'air entre dans nos chambres. Donc pousser les gens, inciter les gens à utiliser plus encore le ciment, chaque fois le ciment, mais utiliser d'autres façons. Donc je dois chercher, faire des recherches sur ces particules. Donc bon, c'est mes ambitions pour le futur. Donc je me bats chaque fois pour ça. D'accord, merci et j'espère que vous allez y arriver. Nous allons remettre la parole à Dorcas. Oui. Dites-nous. Alors moi, mes objectifs à long terme, c'est de devenir enquêtrice criminelle. Très intéressant. Pourquoi? Pourquoi justement? Alors, j'en venais, pourquoi? Alors, mon envie de résoudre des cas complexes. Tout à fait. Mon désir profond de rendre justice m'ont fait choisir ce métier. D'accord. Et comment et quelles sont les qualités qu'il Alors, faut avoir les qualités pour, importantes sont... Il faut avoir un sens relationnel. Oui. Il faut être résilient. Oui. Il important. Faut résister au stress. Oui. Également, bon, je crois que c'est tout. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez une personne qui vous inspire dans ce domaine particulièrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suscité ce déclic en vous ou il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est juste D'accord. le fait de regarder des documentaires criminels qui... D'accord. Merci Dorcas. Une autre personne, une autre intervention, la dernière sur ce sujet. Merci. Bah, l'avant-dernière intervention. Merci Elodie. Mm-hmm. Moi... Okay. Mon objectif professionnel pour l'avenir, j'ai deux objectifs. D'accord. Le premier, c'est d'être enseignant-chercheur en histoire. Et le second, c'est d'être un diplomate. D'accord.
d'être un diplomate. Mmh. Et je crois sincèrement y arriver avec la détermination. D'accord. Et le courage. Parce que si je prends sur, le côté enseignant-chercheur, mmh. aujourd'hui, il y a plein de docteurs dans notre domaine. Mais si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas la détermination, tu ne peux pas y arriver. Et dans l'autre, de l'autre côté aussi, si je parle de la diplomatie, depuis que j'ai eu le bac, mmh. j'ai eu à écouter une émission sur France 24 et qui m'a tellement touché sur le plan des relations internationales. Et c'est ce qui m'a poussé aussi au master à travailler sur la coopération entre les pays. Et j'ai vu plein de choses et je suis tellement passionnée pour y arriver. D'accord, merci. Alors, d'aucuns ont parlé de devenir directrice, d'autres enseignants-chercheurs, d'autres enquêtrices et tout ce qui va avec. Mais dites-moi, est-ce que vous avez des personnes qui influencent ces choix que vous avez eu à faire, conformément aux différents secteurs dans lesquels vous voulez exercer ou que vous aimeriez bien évoluer? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent personnellement? Est-ce que vous avez des sources d'inspiration, des modèles, voilà, qui aimeraient commencer? Oui, allez-y. Alors, Marthe, dites-nous, quelles sont les personnes qui vous inspirent ou qui influencent le choix ou les choix ou vos aspirations? Merci, Elodie. Oui. Je dirais tout simplement que dans ma vie, Dieu m'a fait grâce de rencontrer deux personnes, oui. deux grandes dames qui... Une, je l'ai rencontrée très tôt dans ma vie et... Ce qui m'a impressionnée chez cette personne, c'est sa façon de vouloir toujours essayer, de toujours vouloir bien faire les choses. Je me suis dit, pourquoi pas copier cette personne? Oui, elle ne le sait peut-être pas, elle s'appelle Dorcas, mais j'ai toujours fait de mon mieux pour la copier, pour être comme elle. Et donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, malgré les cours à l'école et tout, j'ai toujours tenu jusqu'à être au niveau où je suis aujourd'hui. Maintenant, dans le domaine dans lequel je suis en train d'essayer mon domaine de droit et droit de la femme et tout, j'allais en mission au Sénégal et j'ai rencontré une dame. On a fait tout le vol ensemble. On s'est rencontrés même dans le même hôtel, d'accord. bizarrement. Et durant tout le trajet, on discutait. Mmh. Elle me parlait de son parcours. Mmh. Elle me parlait des difficultés qu'elle a eu à rencontrer, comment elle en est aujourd'hui, sa famille. Du moins, on discutait naturellement. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était Agnès Calamar. Donc, il y a des personnes qui la connaissent. On ne peut pas parler de droits humains ou d'Amnesty International sans parler d'Agnès Calamar. Mm-hmm. Et je me suis retrouvée tellement, dans cette dame. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mm-hmm. C'est Dieu qui l'a placée sur mon chemin. Et depuis quelques années maintenant, je suis dans ce domaine. Mm-hmm. Et je ne fais que essayer grâce à Dieu. Voilà. Merci. Une autre intervention rapidement, parlant des personnes qui vous inspirent ou influencent vos choix. Lodi, merci. Je t'en prie. Et dans l'étude, j'ai eu à rencontrer ces professeurs qui m'ont fait cours. Deux professeurs m'ont vraiment marqué. En l'occurrence, le professeur Wolu Komi, le professeur Kofi Agbenoto, tous agrégés à la faculté de droit de l'homme. Voilà. Il faut dire que ces professeurs font cours avec passion. Et quand ils vous font cours, vous allez réellement comprendre, vous aurez le goût d'enseigner. Donc, particulièrement, ils m'ont marqué. Et depuis le parcours du sens, professeur Oulou, et le professeur Poufi, le droit de la responsabilité civile, et notamment au master aussi, ils sont là. D'accord. Donc, ils me font cours. Donc, quand je regarde ces professeurs faire cours, je suis vraiment inspiré à devenir enseignant-chercheur. D'accord. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie également. Une autre intervention. Rapidement. Oui. Bon, moi, les personnes qui m'inspirent, ce sont mes professeurs. Oui. Parce que le premier, je leur suis été allé. Lesquels concrètement? Il y a Madame Céleste. Oui. Et parce que le premier, je leur suis été allé en ça. J'ai vu une seule fille dans la classe. Bon, je me dis, pourquoi est-ce qu'il y a une seule fille dans la classe? Vous étiez la seule fille dans la salle? Non, il y avait. Donc, moi, j'étais venue en an dernier. Donc, d'accord. Il y avait une seule fille dans la salle. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'elle est la seule dans la classe? Donc, lorsque moi, je suis venue, nous sommes deux. Donc, ça m'a démotivée. Donc, c'est Madame Céleste qui m'a motivée parce que. Je l'ai vu dans le domaine. Exactement. Je l'ai vu comment elle a prospéré. Donc, c'est un modèle pour un moi. Modèle. Oui, merci. D'accord. Une autre intervention, rapidement.
La dernière d'ailleurs, le temps de clôturer l'émission, vu que nous approchons pratiquement à la fin. Merci Elodie. Dans ma vie, il y a deux personnes qui m'ont inspiré. Oui. La première, c'est ma mère. Oui. D'abord, bonjour maman. Bonjour. Pour oui. son sens de la responsabilité et aussi son engagement. Dans tout ce qu'elle fait, elle s'engage, elle se donne totalement. Voilà, pour premier aspect hein, dans ce qui m'a inspiré, son engagement et son sens de la responsabilité. La deuxième personne, c'est une personne que j'ai eu à côtoyer. Bon, c'était mon directeur, hein, monsieur Roger Mifetou. D'accord. C'est un expert comptable, d'accord. commissaire aux comptes. D'accord. Son sens du travail, son sens du respect de la loi, oui. son sens de haïr tout ce qu'on appelle inégalité, oui. tout ce qu'on appelle gabégie, oui. Le gaspillage, oui. Tout ce qui tourne autour du fait d'accord. qu'une ressource ne soit pas affiliée ou bien d'accord. attribuée à ce pour quoi elle doit être attribuée. Tout cela m'a réellement motivé. Motivé, voilà. Pour ce pourquoi je fais ce que je fais. D'accord. Quand on dit contrôleur de gestion, tu contrôles tout, ouais. tout ce qui tourne autour de la gestion. D'accord. Est-ce que la ressource là est attribuée réellement à ce d'accord. pourquoi est-ce qu'elle doit être faite? D'accord, merci cher frère. Je me retourne vers le frère Miché pour son mot de fin. Merci. Un mot de fin rapidement. Je merci te donne beaucoup. 30 secondes. D'accord, merci beaucoup Olivier. Oui. Je tiens sincèrement à dire un grand merci à la RTJVA. Merci, merci à vous également. Et nos autorités religieuses. Et je tiens à dire un grand merci aux deux Jades. La Jade Avenue et la Jade... Sagbado, n'est-ce pas? Et je salue de passage notre oui. président de la JAD Avenue, le président Atrimi Meda, d'accord. notre premier conseil, le conseil Agbonouti, Koudjo et puis les autres membres du comité d'accord. qui nous suivent. Et donc, nous voulons aussi être que ces émissions s'organisent régulièrement et qu'on soit invités. Nous le ferons. Merci beaucoup, frère Miché. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir honorés de par votre présence. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission du jour. Retenez bien sûr que le plus important est de choisir une voie qui vous épanouit, qui correspond à vos aspirations et bien sûr à vos compétences. N'ayez pas peur de vous remettre constamment en question et d'explorer de nouvelles pistes. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.